bienvenue dans l'émission Canaplus, l'émission confortable qui suit les Directs TV que vous venez de voir. Aujourd'hui, nous accueillons Hugon Chardon, donc un producteur dans le doublage et qui a notamment travaillé avec les chaînes YouTube de Kevin Tran et de Ritek. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En fait, tu l'as très bien fait. Donc, ouais, je m'appelle Hugon Chardon et je travaille depuis fin 2020, début 2021 dans le doublage, et puis depuis 2 ans aussi pour des chaînes YouTube, donc que t'as cité Ritek depuis plus de 2 ans, et Kevin, ça va faire bientôt 1 an. D'accord. Et voilà. D'accord, donc vous étiez ancien étudiant de l'ARFIS. C'est ça. Qui aujourd'hui s'appelle ESEC, donc c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc j'explique le concept de l'émission aux nouveaux spectateurs. Donc on a ici un plateau de jeu, où on va pouvoir du coup lancer un dé et en fonction sur la case sur laquelle il tombe, avoir une question dans le thème de la case. Donc si tu le veux bien, tu peux lancer. Il y a évidemment tout un tas de nourriture à côté pour les personnes qui veulent, se nourrir. Donc 12, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc là, ce sera aller dans les questions plutôt personnelles. Donc la première question est personnelle, parce que vu que tu es plutôt dans la production audiovisuel plus que film, alors que c'était une école de bas cinéma. Donc où est-ce que ça t'a amené pour arriver dans ce domaine plutôt YouTube et doublage plutôt que cinéma en lui-même? Non, parce que moi le doublage c'est un milieu qui m'a toujours intéressé et plu, même quand j'étais étudiant. J'avais fait on avait fait nous aussi des directs télé, moi mon thème je l'avais fait en binôme avec mon ami Jean sur le doublage. Ouais. Et parce que c'est toujours un domaine qui m'avait plu, et du coup, sorti de l'école, j'ai bossé pour divers studios, et en fait, la chaîne Ritek étant tenue par deux comédiens, Victor Niver et Maxime Moirot, qui font beaucoup de doublage, je les ai du coup croisés dans les studios, on a sympathisé, on a fait des soirées et tout, et petit à petit, je suis venu à travailler pour eux, et vu que eux travaillaient aussi pour Kevin, j'en suis venu en fait à travailler pour Kevin, en fait, tout ça a été... par le biais des rencontres. Ah oui, juste donc des rencontres. Et d'ailleurs, vous avez parlé que vous avez fait un direct TV sur le thème du doublage. Quel invité vous avez pu avoir? On avait eu, de mémoire, on avait eu Thomas Besson, qui était ingénieur du son, et Denis Benedito, qui est comédienne. Oui. Et je crois que j'oublie quelqu'un, et ça me fait beaucoup de peine. Et on avait fait tout un reportage à l'époque à Miroslav Pilon, avec Franck Pithiot, le directeur, et, pour montrer un petit peu les dessous. D'accord, super intéressant. Ouais. Du coup, on peut relancer le dé pour repartir sur de nouvelles cases. Ah bah, dis donc. Très bien. Donc, événement. Donc, le sujet de l'émission de base était l'IA génératif. Mmh. Aujourd'hui, dans le monde, on a un grand événement, un grand boom de l'explosion de l'IA génératif sur plein de domaines et qui touche notamment le domaine du doublage avec des voix synthétisées. Donc, il y a quelques semaines, le Parlement européen a posé les premières vraies réglementations sur l'IA. Et pourtant, rien ne concerne l'art. Il y a déjà fallu plus d'un an pour se mettre d'accord pour contrôler l'IA sur des sujets de surveillance de la population. Alors imaginez combien de temps cela va prendre avant qu'on s'intéresse à la sculpture. Est-ce que cela vous fait peur? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça me fait peur. En tout cas, ça m'ennuie, ça c'est sûr. Mais je crois que ce qui m'ennuie, c'est de voir l'ampleur que ça prend et à quel point ça inquiète les gens du métier. Mmh. Alors que jusque-là, l'IA à laquelle on a affaire est, on va dire, les plus récréatives. Je vois mal, vu ce que ça propose aujourd'hui comme qualité, qu'on puisse l'avoir sur les trucs pro. Après, moi, je trouve qu'effectivement, ce qui est un problème, c'est que tout le monde peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est, en tout cas, c'est sûr que c'est important de réglementer tout ça. Pour moi, l'IA, elle a plus de valeur en tant qu'outil technique que comme base de création artistique. À la base, même, j'avais cru entendre parler d'une IA qui permettrait d'améliorer la synchro labiale du doublage français avec, par exemple, les mouvements des lèvres des comédiens originaux. Et ça, ce serait plus pratique parce que ceux qui font ça actuellement, c'est les ingé sons. Et c'est, c'est une petite tâche qu'ils sont obligés de faire, mais qui est, on va dire, presque une corvée. Donc un ingé son, en tout cas ceux que je connais, ça les excite de devoir à chaque fois bien recadrer parce que le truc dépasse un peu ou quoi. Donc là, ce serait intéressant. En fait, ce serait intéressant comme outil technique, mais pas comme... création artistique, même quand on voit les scénarios, des scénarios qui peuvent être générés, enfin, personne n'a envie de faire ces trucs, personne n'a envie de voir ces films. Évidemment, bien sûr. Et d'ailleurs, le fait que vous parlez de ça, surtout que la synchro labiale, souvent, oblige les comédiens à adapter leur texte pour pas que ce soit trop compliqué et parfois perdre un peu le sens, en particulier dans les chansons, où quand on décide de traduire une chanson en française, on perd beaucoup de choses...
Oui, sur ce genre de choses. C'est vrai, bah parce que, en tout cas, de mon expérience, dans les chansons doublées, on apporte plus en fait, d'importance au rythme Oui. que finalement à la synchro. Et je pense que c'est quand même une meilleure chose parce que si c'était trop synchro, mais, enfin, on serait obligé de dire des choses qui veulent effectivement rien dire. Donc c'est peut-être mieux de se baser sur le rythme et tout. Mais l'IA, par exemple, pourrait permettre effectivement de corriger un peu ça. Et je pense que tout le monde en serait content puisque les ingé sons, eux, arrêteraient de passer trop de temps là-dessus et pourraient se concentrer plus sur le Bien sûr, montage, le oui. mixage, etc. Et les comédiens et adaptateurs seraient plus libres dans leur interprétation et de pouvoir un peu plus lâcher sans avoir peur de ce souci de synchro. Et à titre personnel, est-ce que vous pensez que l'opinion publique générale accepterait qu'on utilise ça comme outil pour justement aider pour la synchro labiale, ce genre de choses? Oui, je pense, parce que déjà, je pense pas que le grand public serait forcément au courant de cette utilisation. Je pense que déjà, beaucoup de gens qui regardent par exemple des films en VF n'ont pas conscience de tous les petits métiers que ça implique, de l'adaptation, Oui, évidemment. de l'ingé son, de l'enregistreur, etc. Enfin, de toutes les petites étapes qu'il y a à faire. Donc, je pense que oui, ils s'en moqueraient. Et en plus, il y aura un côté où ça prend la place de personne. Il n'y a pas un poste, personne n'a que comme tâche de s'occuper de la Oui, c'est synchro. ça, oui, c'est même pas un poste dédié, quoi. Voilà, c'est pour C'est ça, c'est pour ça, c'est une tâche parmi d'autres une des corvée, comme ingénieurs vous du l'avez son, dit tout à des l'heure. ingénieurs du son, donc ça remplace personne, donc il n'y a pas de souci là où ça pose problème en ce moment, c'est qu'on sert de l'IA pour remplacer. Oui, c'est ça, oui, exactement. Et bah, très intéressante comme question. Retenez bien ça, utilisez l'IA comme un outil et pas pour remplacer des vraies personnes. Donc, bah, allez, c'est parti, on pourra recommencer à faire un tour. Donc, si vous arrivez à la fin, c'est pas grave, on continue à Ok. l'infini. 3, 4, 5, ah, Alors, PLS, PLS, je viens de donc taper. production live stream, Ah. c'est le nouveau nom qui a été donné aux anciens DirecTV. Malheureusement, notre invité n'a pas participé à ces émissions-là. Nous n'avons pas réussi à prendre un invité des PLS. Fort heureusement, c'est un ancien étudiant de l'ARFIS, donc vous allez pouvoir nous parler de votre expérience PLS de l'année dernière. Est-ce que c'était très enrichissant? Comment les choses, la préparation de l'émission? Parce que vous m'avez parlé un peu des personnes que vous avez Ah, de invitées. quand moi Oui, j'étais pour les directs? bien sûr, comment Ah, vous avez d'accord. préparé l'émission? Est-ce que vous avez pu faire face à des difficultés? Et surtout, est-ce que cette expérience vous a beaucoup enrichi Moi personnellement? je t'avoue que ça remonte déjà à 4 ans, je crois. Moi j'ai fini en 2020, donc ça veut Oui. dire que c'était 2019. Ouais, c'est ça. Donc non, c'était une super expérience parce que c'est. Anciennement à l'ARFIS, c'était la grosse première épreuve, on va dire, puisque c'est un truc qu'on commençait, en tout cas à la prod, dès le début de la deuxième année. Donc c'était un gros travail en amont de recherche, de contacter, de monter bah, du coup l'équipe, d'avoir des invités, de préparer toute l'émission comme ce que vous faites là, tu vois, de préparer. Alors nous en plus on avait, c'était la première année où avec la filière digitale on mettait en place les lives, etc. Donc il y avait d'autres problématiques à prendre en compte. Mais non, c'était, moi j'en garde vraiment un super souvenir. C'était vraiment, il y a vraiment un truc un peu de cohésion. Et puis du coup, ça nous a appris à gérer les imprévus parce qu'on a eu aussi Oui, des effectivement. désistements de dernière minute. On a dû réécrire des trucs un peu au dernier moment. Et voilà. Et après, il a fallu aussi toute la recherche des droits pour pouvoir passer tel ou tel extrait selon Oui, l'invité. Enfin ça voilà, c'est. il y avait vraiment. En fait, c'était vraiment un gros, gros truc. Et franchement, c'est assez formateur parce que en plus, nous, c'était que la deuxième année où il y avait la filière production. Et donc, personne ne savait trop. Il n'y avait que ceux qui l'avaient fait avant qui pouvaient nous expliquer vite fait ce que c'était, mais personne ne comprenait vraiment trop en quoi ça consistait. Donc, on va dire, on a été un peu jetés dans le bain, mais non, franchement, c'était cool. Bien, très content que vous en gardiez une Ouais. bonne souvenir. Je pense que nous aussi, cela nous enrichit beaucoup et bah, nous pouvons continuer le jeu. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, image. Eh bien, on va retourner sur le thème de l'IA générative. Je vais afficher à l'écran un tweet d'une personne qui parle justement du doublage, qui va s'afficher dans pas longtemps. Donc, je peux vous le dire, je ne souhaite pas que les gens perdent leur travail, mais un doublage IA qui garde la même voix que l'acteur, mais dans une autre langue avec les mêmes émotions et intonations, n'est-elle pas objectivement meilleure et plus fidèle qu'une VF d'un comédien de doublage? Dans tous les cas, la VF n'a quasiment pas raison d'exister. Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet et surtout quel est votre avis autour de la VF vu que vous travaillez Moi, je pense que vous avez très bien choisi votre gonce parce que il y a, je crois que c'est ce matin ou hier, il Oui. s'est remis à dos tout le monde parce visiblement, c'est quelqu'un qui déteste La la VF, VF. oui. Donc, je pense qu'il cherche un peu, on va dire, des moyens de faire parler.
Non, enfin, dire que la VF a pas de raison d'exister, je trouve ça un peu absurde. Parce que en fait, on se rend pas compte de à quel point c'est important. Déjà, pour plein de personnes qui ne peuvent pas suivre de la VO ou des sous-titres, bah déjà ceux qui parlent pas très bien anglais, ceux qui lisent lentement, oui, évidemment. Même les personnes âgées ou quoi. Et puis il y a aussi tout un truc où, même les enfants aussi qui peuvent pas suivre. Et ce que les comédiens, les adaptateurs, les directeurs artistiques mettent dans les VF, c'est justement des fois aussi ce côté plus national. Il y a énormément, par exemple, dans Fight Club, qui est une VF très connue, parce que justement, en VO, ils font plein de références à des trucs très américains. Oui, et nous, là, ils vont faire des références. Nous, on n'est pas les refs, oui. On n'aurait pas les refs, c'est ça. Et du coup, en VF, on les francise un peu en mettant une référence qui nous parle le plus. Il y a aussi beaucoup, si vous regardez un peu des extraits du jeu vidéo Marvel Spider-Man, où oui. En VF, le comédien Donald Renew, il fait beaucoup de références à des trucs français. Il cite même Les Inconnus. Quand il imite Stallone, il imite la voix française de Stallone. Et en fait, c'est beaucoup de trucs qui vont nous permettre à nous de comprendre des vannes ou quoi. Ou si, d'ailleurs, il y a des VF qui laissent les refs VO. Oui. Et des fois, on ne comprend pas où est la vanne. Dans des sitcoms, notamment, il y a beaucoup de sitcoms qui laissent juste la référence VO. Et oui, bah, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Alors que... je sais plus dans Fight Club quel exemple il prend, mais pour parler, il dit j'emmerde. En français, il dit j'emmerde Monsieur Propre. et en VO, en fait, il dit j'emmerde et il dit l'icône aux États-Unis qui représente la propreté. Je sais plus qui c'est, mais ce que je sais, c'est que ce sera jamais aussi parlant pour nous français, oui, bien sûr, évidemment, que j'emmerde Monsieur Propre. Et voilà. Et d'ailleurs, encore une preuve que Donald Renew, un de nos meilleurs doubleurs français, alors c'est peut-être une supposition, mais c'est Donald Renew qui donne de lui-même pour ce genre de ref, ou c'est plutôt un travail de prod en amont pour lui dire que bah, là, il faut changer ça par ça, parce que ce sera plus, mieux adapté au public. Souvent, c'est les deux. Alors là, pour l'exemple, par exemple, de Marvel Spider-Man, je sais que Donald a beaucoup mis de lui-même. Bah, okay. C'était un peu de l'impro. Mais il y a beaucoup, en fait, les trois quarts du temps pour les doublages, aujourd'hui encore plus. À l'époque, il y avait peut-être une plus grosse part à l'impro. Aujourd'hui, vu que c'est des gros projets, les productions sont très cadrées. Donc ça se travaille en amont, et c'est ce qu'on appelle l'adaptateur, qui justement s'occupe de traduire les dialogues, mais aussi de les adapter pour que ça colle au labial et au rythme, etc. Qui s'occupe de faire tout ce travail, et qui du coup choisit de faire... franciser ou pas une ref, souvent ça vient de base de là, et après des fois le comédien peut avoir une petite lueur d'impro. Oui, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins d'impro, comme à l'époque, je vais prendre un exemple comme ça, le club Dorothée, où c'était presque, on avait le script la veille, on devait improviser des répliques en japonais pour le doublage des animés. C'est ça, là il y a plus ce travail, enfin là c'est beaucoup plus du travail en amont que... C'est ça, parce qu'aujourd'hui les projets sont plus cadrés, enfin en fait, c'est comme dans tous les milieux, y compris le cinéma, etc. Vu qu'aujourd'hui, on a des enjeux financiers de plus en plus gros, et qu'en France, on ne se rend pas compte, mais en France, la VF, c'est la majorité des entrées en salle. Les entrées en salle sont majoritairement en VF. Et du coup, bah, ils savent je pense qu'aujourd'hui, les clients savent qu'ils ne peuvent pas se rater, qu'ils n'ont pas intérêt à se rater. Et du coup, ils font très, très attention. Parce que parfois, on mène des cadres de travail un peu compliqués, puisque du coup très sous confidentialité, etc. Mais voilà. Mais d'accord, et du coup, pour répondre clair à la question, remplacer de la VF par de l'IA qui retraduiserait, ce serait pas possible. Mais non, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, du coup, ce serait prendre de l'IA pour faire de l'artistique, et ça a aucun intérêt créatif. C'est pour moi, l'IA, voilà, l'intérêt en tant que technique, mais en tant qu'artistique, ça... Ça aurait aucun intérêt, ça aurait aucune saveur. Et pour moi, le seul intérêt vraiment d'IA en termes d'artistique, ce serait une question purement financière, parce qu'effectivement, oui, ça coûterait moins cher. Exactement. Mais pour moi, ceux qui utilisent de l'IA pour remplacer par exemple des comédiens ou quoi, je trouve ça bizarre de défendre des grosses corporations qui brassent déjà beaucoup d'argent pour dire non, il faudrait qu'ils en gagnent encore plus. Ouais, c'est nous, ça. Finalement. Encore plus de la merde. Surtout que cette personne-là travaille dans l'audiovisuel, donc c'est encore plus un con. Oui, mais lui, après, est un youtubeur, donc est peut-être moins impacté par tout ce truc, justement. Et en plus, étant un pro VO, ils s'en foutent. Et puis après, c'est tout problème de Twitter, c'est que des fois, je pense qu'il y a quand même un petit peu de... Comment dire,
un bad buzz, ça reste du buzz. Donc, oui, bien sûr, mais après, voilà. Avoir un mauvais public, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Donc, retenez bien, la VF est très importante pour l'audiovisuel français. Donc, on va continuer, on est resté beaucoup de temps sur cette question, mais c'était très intéressant, évidemment. Hop, alors, 5, 3, 4, 5, boulevard. Alors, non, on passe juste sur la question, immédiatement. Alors, pensez-vous pas que l'IA est juste une avancée technologique folle dans les deux sens du terme? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire avec l'IA devient de plus en plus fou, mais c'est surtout, est-ce que les gens sont bien conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que l'évolution de cette chose n'est pas complètement folle et nous dépasse complètement? Fou techniquement et fou aussi... Je pense pas forcément que les gens se rendent compte du tort qu'ils font. Quand les gens reprennent des chansons chantées par d'autres gens ou utilisent des voix pour faire des trucs et tout, je pense qu'il y a un côté pur divertissement et ça les fait marrer. Et en vrai, quand c'est bien fait, c'est très drôle. Il y a des reprises de trucs de Bigard avec la voix d'Angèle ou des choses comme ça et ça rend le truc très rigolo. Mais je pense que les gens effectivement se rendent pas compte du mal que ça peut faire à tout le côté création. Parce que là, on parle que de l'IA de voix, mais on ne voit pas non plus tous ceux qui utilisent l'IA pour des illustrations. Oui. Là, effectivement, ça prend le pas sur, malheureusement, beaucoup d'illustrateurs qui se font remplacer par des IA et tout. Mais le côté, on va dire, rassurant pour le moment, c'est que ça se voit encore. Il y a eu des festivals, je crois, récemment, qui ont utilisé de l'IA pour faire leur affiche, et ça s'est vu directement. Et... du coup, il y a un côté où on arrive encore à différencier. Je pense que là, justement, c'est pour ça que les métiers artistiques se soulèvent maintenant. C'est parce qu'on arrive à l'étape où la différence se fait de plus en plus floue. Oui, et il faut maintenant avant qu'on puisse plus du tout reconnaître et que les gens doutent sur le fait que est-ce que c'est vraiment de l'IA ou pas, on ne sait pas vraiment quoi. Du coup, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, donc je vais rebondir sur ça sans faire le plateau, j'ai juste posé une question comme ça. Vous avez bien évidemment entendu parler de Sora. Oui. Et du coup, combiné avec la voix générative, est-ce que l'IA ne pourrait pas être utilisée à des fins malicieuses pour créer de fausses preuves, que ce soit faire parler un politicien sur de genre de choses, ou alors faire des fausses preuves vidéo pour discréditer une personne. Moi, je me rappelle avoir vu sur Twitter, en scrollant, Mbappé qui veut se présenter pour les présidentielles. J'ai été bluffé pendant les 30 premières secondes, et après, je me suis rendu compte, non, c'est de l'IA. Mais du coup, c'est-à-dire que même moi, qui suis beaucoup dans l'audiovisuel, j'ai réussi à me faire piéger. Si, mais c'est exactement tout le problème de ce processus. C'est déjà, rien qu'avant que tout ce truc d'IA apparaisse, c'était déjà dur de se fier aux fake news ou pas sur les réseaux, puisque tout va super vite. Alors avec l'IA, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il va falloir en fait légiférer, et même, en fait, je sais pas comment trouver un moyen, parce que là, tout le monde y a accès depuis chez soi. Donc comment empêcher des gens depuis chez eux de créer des fausses news, des machins, je sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, ça va rendre le boulot, par exemple... des journalistes ou même des avocats, des gens de la justice, encore plus compliqué que ça l'est, puisque du coup, il va falloir à chaque fois démêler tout le truc. J'ai pas de solution à apporter. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour cette interview. Nous, on va se couper. On se retrouve dans 1 minute 30 pour la deuxième partie Final Rush de l'émission. Restez à l'antenne. Et pour vous, Hugo, j'ai un petit cadeau pour être venu à l'évêque. Merci beaucoup. Un petit truc avec des goodies. Merci. Et encore beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Madame, merci à toi. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir.
Eh bien, rebonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec nos deux techniciens, donc Hippolyte et Oscar. Bonjour, merci. Donc, Hippolyte cool. de la filière Assistana ouais, et Oscar absolument. De la filière son. Est-ce que vous pouvez vous présenter un par un, Hippolyte, comment alors, sur qui coup, vous êtes et ce qu'on vous fait? Ouais, donc moi c'est Hippo, donc filière Assistana en deuxième année. Et donc là, sur les directs, là, le direct qui vient de se terminer sur les plateaux, j'étais premier assistant. Donc gestion de plateau, gestion alors, du public. J'avais une deuxième assistante qui était formidable, qui a très bien géré le public et la figuration. Mais voilà, gestion, lien aussi entre la régie vidéo et le plateau, transmission des informations avec le son, l'image, tout ça. Sinon, après, le reste dans la filière, ce qu'on apprend, bah, c'est pareil, gestion de plateau de tournage pour de la fiction, pour des films. Organisation et préparation de tournage aussi, c'est une grosse partie de notre travail. Et voilà, et c'est très très cool, j'adore ça, c'est génial. Et toi, Oscar? Moi, je fais le son. Ça commence trop bien. Le mec bouffe, quoi. Moi, c'était... Là, aujourd'hui, j'étais... Je gérais, en fait, le plateau. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, sur la configuration qu'on avait... Putain, par contre, je vais pas passer. La configuration qu'on avait, c'était le son qui arrive sur le plateau. Donc le plateau de tournage, du coup, qui est directement avec les micros, tout ça. Les micros partent dans une régie. Il y a un chef opérateur régie, du coup, qui gère tout ce qui passe par là. Et c'est celui qui va plus ou moins envoyer le son vers Internet. Et il n'envoie pas que sur Internet, il envoie aussi sur le plateau. C'est-à-dire que le son, il fait un aller-retour depuis le plateau jusqu'à la régie, jusqu'à chez nous. Et moi, j'étais le gars qui arrivait en fin de course pour gérer, en fait, le son qui revenait de la régie. Du coup, c'était moi qui gérais les enceintes sur le plateau. C'était, j'étais directement sur, on va dire, dans le vif du sujet avec les invités et tout. Donc, c'était à moi de faire l'intermédiaire plus ou moins entre la régie et le plateau. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, mais apparemment, il y a eu quelques petits problèmes de décalage de son et d'image. Ça balance les bails, ça y est. Comment est-ce que tu as réussi à régler ce problème? Alors, comment on a réussi? Parce que tout à l'heure, quand tu disais, ouais, moi, je gère plus ou moins le plateau, tout ça, je dirais que tu gères aussi plus ou moins tout ce qui se passe, toute la merde, finalement, en fait. Oui, oui. Désolé de mon langage, mais finalement, il y a eu, aujourd'hui, en vrai, on a fait pas mal de dérapages plus ou moins contrôlés. Je sais que à la régie, on va pas mal se faire taper sur les doigts. Moi, j'étais sur le plateau, donc ça va. Mais de ce que tu peux dire, c'est qu'on a fait des entraînements avant, du coup. Les entraînements se sont pas super bien passés à cause, du coup, d'une mauvaise gestion du son à la régie. Tu peux en témoigner. Tous les Ah oui, ça, c'est grande partie. Non, mais c'était intéressant parce qu'au moins, on a vraiment appris. Et quand même, on voyait au fil déjà des répétitions et du filage qu'on a fait juste avant l'émission. Il y a quand même eu vraiment... une prise en main du truc, quoi. Et donc, c'est vrai que les problèmes évoluaient. Merci. donc, en vrai, malgré les deux, trois couacs qu'il y a dû avoir pendant l'émission, on a eu quand même une évolution grave positive sur ça. Donc, ça, c'est cool. Ok, génial. Et là, une réaction à chaud des après-directs. J'ai faim. Hein? Quoi? Ah non, mais moi, j'ai failli pleurer à la fin de notre direct. C'est vrai? Ouais. Alors, j'ai... une collègue qui n'a pas réussi à tenir ses larmes, c'est tout à son honneur. Et c'est vrai que, en fait, ça fait donc 9 semaines qu'on prépare le truc. On a commencé à appeler des gens au bout de la première ou deuxième semaine. On s'est pris plein de vent dans la gueule, plein de des gens qui veulent pas, des gens qui comprennent pas, des gens qui... Et d'ailleurs, comment vous avez réussi à convaincre des gens de venir? Parce que c'est très difficile. Justement, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, à partir de la deuxième, troisième semaine, on a commencé à vraiment... mettre en place trouver des invités qui acceptent de venir. Alors, c'est des appels. De toute façon, on a appelé, on a dû passer une cinquantaine d'appels avant de trouver nos invités. Des gens qui ont bien voulu accepter. Alors, il y en avait deux, trois qui avaient pour ambition justement d'aider les jeunes à faire dans le cinéma, enfin, faire des émissions, à travailler sur des sujets. Donc, c'était, par exemple, on a filmé Damien Laquet qui est la voix française des Lapins Crétins. Et quand on l'a eu au téléphone, il nous a dit « Mais je suis hyper chaud, aider les jeunes étudiants et tout pour leurs travaux de groupe, pour leurs trucs comme ça, pour leur apprendre le truc, le métier, les trucs comme ça. » Et en fait, du coup, on a eu ces personnes-là qui nous ont dit « Bah, ok, on vient. » Tu vois, on a eu un invité qui est venu de Paris pour une demi-heure de direct, pour la journée. Il était trop mignon, d'ailleurs. Et il était génial. Et donc c'est vrai que c'est des gens qui sont vraiment venus pour aider la jeunesse et pour nous accompagner dans notre émission, dans notre réflexion sur notre sujet. Notre sujet était assez complexe,
Et donc c'est vrai que là, quand on les a vus, et d'ailleurs je me suis fait surprendre moi-même parce qu'en fait, on était captivés par ce qu'ils disaient. Ouais. C'était captivant. Et on voyait le public, tout le monde était comme ça, à regarder le plateau, à écouter complètement ce qui se passait. On était tous captivés, même moi qui avais un rôle, bon voilà. Mais je me suis quand même laissé emporter par le flow. Et du coup, il y a ce travail à rester vraiment professionnel et ne pas s'intéresser trop à ce qu'il dit, et vraiment rester dans ton rôle de technicien. Alors, il y a quand même ce truc de... Il faut quand même un peu suivre ce qui se passe sur le plateau pour qu'il y ait une ambiance. Je continue, vas-y, je vais dire un truc, mais... Vas-y. Tu sais, c'est le moment où on a fait passer un sujet où en fait c'était l'un de nos potes qui a doublé en fait l'infographie. C'était excellent. Alors ça. Vas-y. Et du coup, notre pote, du coup, Hugo, je crois. Non. Non. Non, 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 non. Ah. C'était Luan. C'était Putain, c'est Luan. Ouais, c'était Luan. C'est Luan qu'on embrasse très fort d'ailleurs, qui en image. Il nous a fait le sujet. Il a fait le doublage. Et du coup, le doubleur qui était venu sur le plateau pour intervenir sur les IA, le machin, a écouté ça, bien sûr, et de son œil avisé de professionnel, est arrivé et a dit « Vous voyez, les gars, ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah » ouais. Et là, c'est vrai que... et là, c'est vrai que c'est difficile de rester professionnel. On a tous éclaté. Ouais, là, on a tous éclaté de rester super. Ouais, on a un peu tous... mais bon, en même temps, voilà. Ah, c'est trop rigolo. Bien sûr, comme chez toi, t'es chez toi. Marc, oui. Mais du coup, voilà, non, mais donc, ouais, à la fin, les invités étaient passionnants. Marie ? On a pris. Vas-y, on va, comme tu veux. Bon, bah, du coup, bah, merci beaucoup d'avoir parlé. On va commencer la petite partie de Mario Kart. Est-ce que vous êtes fort au jeu ? Non, je suis une vraie brêle. Donc, on va faire un petit, tournoi. Les 4 meilleurs techniciens qui ont le meilleur temps. Ouais. Reviendront dans la dernière émission pour essayer de gagner le tournoi Mario Kart C'est bien. Et de gagner le trophée. Okay. C'est bien, je vais profiter de ça parce que je ne les reverrai plus parce que je vais perdre. Vas-y, attends-moi aussi. Très bien, à votre avis, qui va gagner ? Mais lui. Lui ? On va voir. Bien sûr. Tu joues avec nous ou pas ? Non, je ne joue pas avec vous. Oh non. Ah oui, c'est sadique en fait. Ah, pas une prochaine fois. C'est juste du 1v1. C'est vraiment, tu nous mets sur un octogone et battez-vous. Quel est le meilleur technicien finalement ? Oui, voilà, c'est ça. C'est la compétition Final Rush. Comment ? C'est toi ou c'est moi ? Non, c'est moi. Alors il faut que la manette 1 soit du côté d'Hippolyte. Bah oui, mais du coup c'est qui la manette 1 ? C'est toi. C'est toi la manette 1, je crois. Ah bon ? Oui. Ouais. Ok. C'est ça. Donc on allez. Lance le jeu. Allez, ça part. Hein. Je vais vous poser des questions pendant que vous êtes en train de... Oh ça, c'est ça. Mais tu veux vraiment que je perde en fait Bon, ok. Vas-y, on va se retrouver immédiatement après le jingle. Grand Prix ? Ouais. Ah non, course VS. Vous faites qu'une seule course et ce sera sur le circuit Yoshi. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Oh, c'est bon, il faut juste sélectionner les boîtes. Ah oui, oui, pardon. Qui je vais prendre ? Alors pendant que vous êtes en train de choisir vos personnages, je vais vous poser encore quelques questions. Quels sont vos objectifs finaux après l'école ? Oh là, la Alors, je te laisse commencer. Ah ouais, t'es sûr? Alors, je pense qu'on a beaucoup de trucs à dire. Ouais, sans doute, ouais. Luigi, n'oubliez pas d'enlever l'antenne. Ah oui, désolé. Alors, pour repréciser, donc moi je suis en filière assistana et régie. Ouais. Donc, bon, le principe, j'aime bien ce que je fais, donc je vais commencer par ça. Commencer l'intermittence comme ça et tout. Mais après, moi, par la suite, ça serait quand même d'être acteur. Comédien. Acteur-comédien. Ouais. Acteur, ouais, d'ailleurs, c'est vraiment un but en soi. En tant que si toi qui veux devenir comédien, ouais. Est-ce que tu trouves que l'exercice des directs TV, mm-hmm. donc cette année les PLS, mm-hmm. est quelque chose de bénéfique pour l'avancée de ta personne ? Alors. Et que ce soit professionnellement et techniquement et même. C'est une excellente question que tu poses, parce que en plus d'être premier assistant sur ces émissions, je suis encore, les directs ne sont pas finis. Oui, c'est vrai que t'es le chauffeur. Voilà, je suis la doublure officielle de Alexandre Chabel, le présentateur. Et donc en fait, tout le monde me dit, mais t'en as pas marre de le faire sur tous les directs ? Pas du tout, j'adore, c'est génial, parce que c'est de la comédie sur un plan qui dure une demi-heure. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup, c'est très fatigant et tout, mais j'aime bien. Ouais. J'aime bien, je m'éclate. Alors, t'es vraiment pas mauvais, mec, en plus. Alors, j'allais dire, je pense que je suis pas très bon, mais okay. bon, j'en sais rien, je m'en fous. Mais en tout cas, ouais. je m'éclate. Et c'est vrai que si ça apprend quand même à paraître devant une caméra, ce qui est pas une tâche facile non plus. Et donc, en vrai, ça m'a déjà bien fait avancer là-dessus. C'est l'œuf. L'œuf ? L'œuf. Oui.
Il y a un 9. La première, ah, un 9, voilà. Et là, c'est lequel? Sophie Yoshi. Allez, ça part. Oh boy. Ok, bah du coup, bah même question, voilà. pour Oscar. Ouais. Quelles sont tes motivations? C'est à moi qu'on pose la question quand on commence. Bah vas-y, c'est un malus du coup. Formidable. Super. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en école de cinoche pour à la base parce que je faisais de la musique. Oui. Et en fait, la musique, tu peux pas en vivre. Genre, oui. En ce moment, c'est trop compliqué. Je sais pas comment on avance. Ah, appuie sur là. Merci. Et genre, du coup, je suis arrivé en mode, je vais faire de la musique de film. En fait, genre, j'ai tellement adoré faire de la perche, finalement. Je suis dans les choux, ça y est. J'ai tellement adoré faire de la perche que, finalement, je me plais bien en tant que perchman. Ah oui, carrément. Ouais. Donc, tu as toujours cette optique d'être composeur, quand même, ou... Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est compliqué. Oui, tu voulais dire quoi? Oui, non, mais et du coup, bah, toi qui as appris, du coup, en voulant vouloir faire de la musique, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent je veux devenir composeur, est-ce que vous avez un. Enfin, est-ce que toi, plutôt, plus qu'Hippolyte, parce que je suppose. Ah, moi je fais de la musique, mais pas sur ordi. Hein. Oui, voilà. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils à donner aux gens sur quel genre d'études se diriger? Est-ce que c'est mieux de faire. La question à 1000 balles. J'avoue que là, frérot, la question à 1000 balles. Moi, je serais plus d'avis de faire. Faites une étude à côté sur un truc qui vous rapporte des thunes et continuez la musique à côté. D'ailleurs, Hippolyte, c'est quoi ton personnage? C'est Scorelex? Oui, moi, c'est moi qui suis en train de le fumer. Ah bon, tu es en train de m'éclater. Et bah, vu que tu es en train de le fumer, autre question, Oscar. C'est de la charme. Quel a été ton moment préféré dans les directs, dans les PLS? Ah, alors pour l'instant. Tu dois parler en tout petit vu qu'il y a l'éclair. Alors pour l'instant... Non, c'est vrai? Oui. C'est hyper bon. Okay. Alors du coup, bah, pour l'instant, c'était carrément... Bah, tu te souviens ce qu'on avait dit tout à l'heure, Hippolyte, du coup, tu sais, le truc où on a rigolé tous ensemble avec le mec qui nous a jugé. C'est bon, je suis normal. Et le mec qui nous a taclé, là, bah, c'est tout super marrant. Mais en fait, il y a surtout à chaque fin de tournage, en fait, à chaque fin de direct, il y a vraiment cette effervescence et ce relâchement de pression de fou furieux. Elle tourne pas, mais et c'est genre... Je sais pas si... Moi aussi. Je sais pas si, genre, bah, tu vois, genre, la fin de tournage... Il y a une grosse ambiance, tu vois, genre tout le monde applaudit, machin. Oui. Là, la fin de direct, pour l'instant, là, c'est la fin de la journée du direct, parce qu'après, il y aura la fin de la semaine du direct. Ouais. Mais ça va être, tu vois, c'est l'effervescence du relâchement de pression. Ça, c'est les meilleurs moments, je trouve. Ouais. Ouais. Dingue, ça. Oh, voilà. Parce que c'était génial. Bah, super, bah, elle tourne pas, ma voiture. Est-ce comment vous voulez que je gagne avec une... Ah, c'est et toi, pas moi, mais... Quels sont les moments préférés du direct? Bon, alors là, je vais te dire, je sais pas. Pas... Non mais en vrai... Est-ce que tu sais pas parce que t'es pas concentré ou tu sais pas... Non, bah en fait, vu que je tiens ces deux rôles, donc en tant que premier assistant sur un des directs et doublure quand même de Alexandre Chabel, qui est pas un rôle à prendre à la légère parce que malgré tout, je connais les déroulés de tous les directs, je connais pas mal de questions de tous les directs quasiment. Et donc en fait, déjà je trouve ça hyper intéressant, c'est que moi qui bosse un peu à côté de l'école, je vais pas pouvoir être là pour tous les directs. Alors du coup, voilà. Et donc du coup, j'aurai au moins un visuel sur tout ce qui a été dit dans les déroulés des directs. C'est bon, j'ai... Donc tu peux passer deuxième. Et je suis deuxième. Voilà. Félicitations. Une merde, mais ça va. Et donc en fait, du coup, ouais, c'est vraiment pas un rôle à prendre à la légère parce que, voilà, il faut être là bah, tout le temps. Parce que à chaque... direct, il y a quand même une répète, et puis même ça fait du coup depuis 3-4 jours qu'on fait des répétitions, donc j'étais là tout le temps, et en fait, je me souviens plus de la question, mais... Qu'est-ce que tu as préféré dans le direct? Bah, pas ça, mais j'ai beaucoup aimé ça, et en fait, ça m'a fait marrer, parce que tout à l'heure, je sais plus, je disais ça à un de tes collègues, c'est que tout à l'heure, à midi, ouais. C'était la fin du direct de ce matin, ouais. Et c'était le début du direct de l'après-midi, oui. De là où j'étais première as. Et en fait, à partir de midi, j'ai récupéré les rênes au premier as de ce matin. Et en fait, le premier as, il gère pas que son plateau. À ce moment-là, franchement, j'avais l'impression de gérer l'école. Ouais. Parce qu'en fait, toute l'école dépendait de l'horaire, des flux liés au direct. Et vu que le direct, bah, c'est un peu moi qui dirigeais, bah, à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça, on a besoin de ces personnes-là pour la répète, pour le filage, pour tout ça, le HMC, tout ça. Et en fait, il y a un moment donné, je sors, tout le monde fume, et je fais, dans 5 minutes, on reprend. Et en fait, toute l'école, enfin, tous les gens de l'école qui étaient là, tournent la tête, et en fait, ils t'écoutent. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que du coup, il y a une symbiose pendant les directs qui, je trouve, géniale. Tout le monde est là pour la même chose, le même but, que le direct fonctionne bien.
Et donc en fait, tout le monde s'écoute, tout le monde discute. On nous avait promis un truc un peu tendu et tout, et en fait j'ai trouvé ça, en vrai après, ça va. Après la tension crée aussi de l'efficacité et crée des liens. Ouais, mais il n'y a pas de tension. Alors, perso, je ne l'ai pas reçu. Alors, pas en son. Ouais, mais non, mais ça c'est des tensions de post-direct, mais voilà. En tout cas, en vue du direct, ça allait. D'accord. Et donc j'ai beaucoup aimé ce moment de symbiose, et j'ai aimé l'avoir sur les épaules. Ah oui, parce que je comprends bien. Voilà, parce que, c'est raison, quoi. Et d'ailleurs, pour vous deux, surtout Oscar, parce qu'il n'y a pas beaucoup parlé, qu'est-ce que vous avez appris cette année, surtout en deuxième année, dans la filière dans laquelle vous êtes? Eh ben, ça va paraître hyper con, et hyper shonen de dire ça, mais j'ai appris à ne pas abandonner. Non, mais il a raison. Bien sûr. En gros, petite anecdote qui dure vraiment pas longtemps parce que je sens qu'il va falloir qu'on finisse dans pas longtemps. Non, ça va, il reste encore 4 minutes. Ok, ça va. Il y a encore de grosses gueules pendant 4 minutes. Super, on est bas, ça va. Attends, regarde le retour. D'ailleurs, il fait bien frais ici. Hein. Attendez-moi, comme je suis tout rouge. En retour, je suis tout rouge, regarde. Il fait 600 degrés et. Waouh. Ouais. Regardez, pourtant, il y a la neige dehors. Oh, c'est vrai, tiens. C'est vrai. Ouvre la fenêtre, mon petit Hippolyte. Bon, allez, ton anecdote. Ouais, c'est vrai. En gros, j'ai fait un tournage il n'y a pas longtemps avec Aiden, du coup, qui est un pote à moi, du coup, en son. Et le tournage, c'était un tournage plus ou moins décisif, en fait, parce que c'est avec un mec qui pèse dans YouTube. Aiden, il pèse dans YouTube. Non, le mec... Ah, le tournage, ouais, d'accord. C'est un gars qui a genre 100 000 abonnés sur YouTube. Et on s'est dit avec Aiden, on donne tout. Genre, maintenant, c'est décisif. Sauf que j'ai dormi avec le directeur Cascade. Et le directeur Cascade m'a piqué la couette. Du coup, je suis tombé malade. Ouais, c'est vrai que ça partait un peu bizarrement, mais je te jure que c'est clean comme anecdote. Ouais. Donc, je suis tombé malade. Et en fait, le soir même, on devait tourner une scène jusqu'à genre minuit, 2h. Et j'étais avec Aiden. Et Aiden, il m'a regardé, il m'a dit, on finit la scène, genre. Ouais. Parce qu'avant ça, on avait fait une soirée qui avait flop à l'Arfis. Où on n'avait pas abandonné, on avait continué de faire de la musique. Je vous passe aussi les détails, mais en gros, tout cette espèce d'environnement du cinéma, c'est un espèce de... je sais pas, ça te propulse dans un espèce de d'élan collectif, en fait, où tu te dis, on est une équipe. Il faut pas que j'abandonne l'équipe, il faut pas que j'abandonne la perche. Oui, et du coup, sur ce putain de tournage où j'étais malade, j'ai fini la soirée. Et bon, après, je m'en suis voulu, effectivement. Mais du coup, voilà, ça m'a vraiment appris à pas lâcher les trucs qui me tiennent à cœur, tu vois. Ah oui, évidemment, surtout qu'après derrière, si toi t'es pas là, ça plante complètement le tournage. Et notre ouais. Oh bah après, on retourne en 40 pour faire des films muets, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Bah, ouais, je vais faire la même blague à peu près. Voilà. Et toi, Hippolyte, en quelques mots, qu'est-ce que t'as appris cette année dans ta filière? Beaucoup d'humains. Ouais. Ouais, ouais, en fait, on a eu un peu de technique. On a eu un peu de technique en début d'année, un peu de cours, un peu de technique, tout ça. Et en fait, après, sinon, l'apprentissage, il est vraiment sur l'humain, le comportement humain à avoir sur un plateau, en prépa de tournage et tout. Mmh. Donc, on a vraiment appris beaucoup l'humain à savoir gérer une équipe, savoir faire face à différentes personnalités sous le stress ou pas, tout ça. Donc, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup appris et que je vais retenir, je pense, le plus longtemps. Et puis, voilà, ouais, pareil, qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut être là à l'heure, toujours se lever le matin. Ok, super. Bah, c'était très intéressant. Du coup, bah, bravo Oscar pour avoir gagné. Vrai. On va enregistrer vos deux temps. Ça se trouve, Hippolyte, tu seras aussi dans la finale si les autres personnes font un moins meilleur temps que toi. Quatre personnes dans la finale. Un mot de la fin sur les PLS, en un mot. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? J'allais dire un truc très cool. Un mot. Oui. Ah, vas-y, commence. Moi, j'ai pas. Jean-Jacques Goldman. Très bien, c'est deux super. Mots, ça. Trois. C'est vrai que c'est bon, bah, si tu trouves pas ton mot, bah, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Je vous invite demain à 11h pour suivre l'émission Au-delà du like, une émission qui parle des influenceurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au revoir. Merci, salut. Salut et bisous. Tout top générique. Oh, bah, dis donc, on est des cadres, ils sont flèves. Attends, moi je.